construit sur Statista. En fait, c'est un site de statistiques en tout genre, histoire un peu d'avoir un peu des choses un peu quantifiables sur le vinyle. Comme le révèle le rapport du syndicat national de l'édition phonographique, la SNEP, le grand retour du disque noir se poursuit. On peut voir les chiffres. En 2021, il s'est vendu plus de 5 millions de vinyles en France, soit 3 fois plus qu'en 2016. En valeur, les ventes ont augmenté de 54% l'année dernière pour atteindre près de 79 millions d'euros, ce qui représente désormais 33% de chiffre d'affaires des formats physiques. Si on tient compte des supports numériques, le disque vinyle est la troisième source de revenus du marché de la musique enregistrée. 11% des chiffres d'affaires, derrière le streaming par abonnement, 52%, et le CD, 19%. Pourquoi ? Ben voilà. Le vinyle a sa place encore aujourd'hui, malgré les nombreuses crises qu'il a traversées. On en parlait tout à l'heure avec David. Donc voilà, c'est un petit graphique pour se rendre compte un peu de tout ça. Ensuite, donc on parlait tout à l'heure du vinyle, du green vinyle. Ah non, ça c'est vrai. Pourquoi alors? Pourquoi le disque vinyle était si cher? Donc c'est un petit article sur France Info que j'ai trouvé. Bon, sur les raisons sont multiples. Il y a essentiellement 3 raisons. Première raison, on en a parlé tout à l'heure, la matière première en fait devient de plus en plus rare. Deuxièmement, on parlait aussi des distributeurs qui se gavent pas mal. Et puis le troisième point, donc les majors ont désigné la carte de l'augmentation coût des matières premières, donc le Rasmus, c'est un peu ça aussi, notamment les polymères servant à la fabrication de la galette noire, une inflation constatée par Alexis Casquel, cofondateur du site Vidior Factory, mettant en lien artistes et fans pour presser les vinyles à la demande, qui s'est accompagnée d'une pénurie sur les matières premières, comme le carton, pour les pochettes de disques. À cela s'ajoute le manque d'usines capables de répondre à une demande de production importante. En France, les entreprises Encom Musique ou Project Records Maker, dont on parle tout à l'heure, ne font pas du poids face aux géants GZ, qui concentre 32% de la production mondiale. Mais ce simple ralentissement de la production s'est transformé en réel embouteillage lorsque la manufacture californienne Apollo Master, l'une des deux usines qui fabrique de la laque, on parlait bien tout à l'heure, a brûlé en fait. Donc ça crée vraiment un gros. Et puis aussi, on en parlait aussi tout à l'heure, il y a des artistes, comme tu le soulignais, des gros artistes français, américains comme Adele, et qui s'est octroyé carrément une majeure, une usine de pressage en disant priorité à mes productions, aux dépens bien sûr des artistes indépendants. Donc c'est assez compliqué. Là on parle maintenant du green vinyl, comme je le disais tout à l'heure. Cette entreprise en fait a créé un nouveau procédé. Au lieu de presser comme avec deux samplers, le négatif et le positif, le maman et le papa, ils ont créé en fait une espèce de procédé qui en fait injecte le PVC à l'intérieur du disque vinyle, à l'intérieur du sillon, ce qui d'après Trax donnerait une meilleure qualité de son et permettra en fait d'avoir un pressage plus rapide. Donc j'ai fait une petite vidéo, j'ai mis un mal là-dessus. Voilà, un petit exemple. Voilà. C'est le redire. C'est du moulage. Exactement, ouais. Et enfin, c'est plutôt l'injection vers un. Alors, je ne connais pas trop, mais en fait, voilà. Pour vous dire qu'en fait, c'est la matrice, en fait, ils vont la plaquer en sous-pression, et vous avez une espèce de petite bague qui est là, qui va injecter carrément le polychlorure de vinyle à l'intérieur. Et paraît-il que c'est plus costaud, et ça a un son qui est de meilleure qualité, en fait. Et en plus, c'est un pressage plus rapide. Voilà, donc, c'est pas ce qu'ils disent. Voilà. Voilà ce que je voulais montrer un peu en gros sur les infos dont on a un peu survolé tout à l'heure. Voilà. C'est vrai que par rapport au marché, il y a, je disais oui, justement, l'année dernière, il y avait 400 millions de demandes au pressage de vinyle et il n'y avait qu'en termes manufacturiers de capacité de produire 200 millions de vinyles. Donc ça veut dire que pour des investisseurs, c'est intéressant en disant qu'il y a un marché avec 200 millions de disques non pressés. Alors d'une part, c'est intéressant d'avoir ces nouvelles initiatives, à voir comment ça fonctionne. Tout à l'heure, je parlais de bioplastique, alors c'est vrai que le terme d'associe du bio et du plastique, c'est un peu con, mais peut-être pour interpeller les gens, en tout cas un nouveau type de vinyle avec composé à partir d'algues, en train de se faire, en train de se développer. Ce qui sera quand même intéressant, c'est qu'on arrive déjà à une réduction des prix de pressage, de réduction surtout des temps de pressage. Quand vous êtes dans une politique de label aussi pour définir, on va sortir un disque avec tel artiste à tel moment, que le vinyle va arriver dans 6 mois après la sortie, etc. C'est exactement ce qui nous arrive en ce moment même avec les Mamans du Congo. On est en train de préparer le deuxième album. L'album sort le 3 mars, ça fait des mois qu'on en parle, et on a du retard, nous, de notre côté, en termes d'enregistrement, de mastering. Mais on sait qu'on ne va pas sortir le vinyle le 3 mars. Ça, on est déjà mort, c'est déjà foutu, on est en mois de décembre, et pas qu'on les... On pourrait arriver peut-être à gratter en disant, voilà, on peut avoir quelques avantages en ayant un distributeur qui lui-même, en fait, grosso modo, on peut dire qu'ils ont des préemptions sur des options de pressage, et ils vont faire profiter certains labels. Comme les majors ont carrément fait des préemptions sur des usines entières comme MPO, donc on peut avoir des avantages. Et, voilà, on ne sera jamais livré en temps et en heure par rapport au mois de mars, alors qu'on est tout début décembre. Ça, c'est rageant. Donc espérons que le prix baisse à nouveau, que les délais surtout baissent à nouveau, et que les options de technologie alternative pour faire un disque moins polluant aussi le fassent. Et, ce qui est important aussi, c'est quelle est la valeur que vous considérez par rapport à cet objet. D'avoir pour l'avoir, des fois, nous, on se fait engueuler en disant « Oui, on a acheté des disques vinyle à Jarring, il n'y a pas le ticket, il n'y a pas la version digitale bonus intégrée offerte. » Moi, je réponds « Bah, je sais pas, t'as acheté un vinyle, c'est pour écouter un vinyle. C'est pas pour écouter un stream ou un téléchargement en web ou quoi que ce soit. » Oui, d'accord, tu peux avoir une version en plus, mais en plus, on offre nos musiques sont à la fois sur Spotify, Deezer, YouTube, SoundCloud, etc. Donc si tu veux écouter gratuitement la musique, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Et quand je vois, on a des stats, parce qu'en fait on génère, justement grâce à Bandcamp, qui est un outil génial pour générer des codes de téléchargement. Quand je vois le résultat, on s'est embêté, à imprimer des cartes pour que insérer dans les vinyles, pour que les gens téléchargent, et qu'on voit un ratio de au grand max, allez, c'est hyper généreux. 25% des gens téléchargent l'album. En fait, on s'embête pour une personne sur 4. Voilà. Et c'est un surcoût de plein de choses. Donc, du carton en plus, du temps, ainsi de suite. C'est pas vraiment avantageux. Donc, on se dit, si les gens veulent acheter un vinyle, ils écoutent du vinyle. Ils sont pas là pour avoir une version gratuite, téléchargement, download, le service plus. Vous voulez un disque vinyle 180 grammes avec une carte de téléchargement personnalisée, un bouquet de fleurs, j'en sais rien. Ah, c'est une expérience, ça. Ah, les expériences, on va les chercher un peu ailleurs. Et, et toi, dans ce côté éco-responsable, vous voulez quoi, vous voulez faire quoi. Que des gens achètent des vinyles alors qu'ils n'ont pas de vinyle et qui pensent en acheter des vinyles plus tard, hein, ça je respecte entièrement. Mais c'est bien savoir qu'est-ce qu'on écoute, comment on l'écoute, quel est l'objet. Après, c'est clair aussi, on peut apprécier l'objet parce qu'on voit une pochette en grande taille. Et avant, justement, dans tous les vinyles, quand on n'avait pas le choix, on voyait les crédits, on voyait les titres imprimés sous les sous-pochettes. Justement, sur les disques japonais, avec le Obi sur le côté, à la base, c'était vraiment dédié pour ça. Pour agir. Ouais, tous les artistes on voit aussi sur les albums de Jarring, vous le mettez en air aussi, mais... Ça c'est vraiment en avant, tout simplement pour les japonais, pour toutes les sorties américaines. Ça, le japonais en réalité, le hobby, c'était aussi tout simplement pour traduire parce que le marché japonais est un peu spécifique et peut tenir tout seul, quoi. On est sur un pays, c'est un peu de nous en France, je sais pas, mais je sais pas s'il y a des fois, s'il doit y avoir des groupes français qui touchent qu'un public et qui vivent qu'avec un public français, ça doit exister. Au Japon, c'est une monnaie commune, quoi. Enfin, il y a énormément de choses qui s'exportent pas, qui s'exporteront jamais, et qui cartonnent là-bas, qui génèrent beaucoup de chiffres et compagnie. Donc ouais, les hobbies aussi à la base c'était tout simplement pour traduire le titre, l'artiste, les crédits, tout ça, en japonais. Ouais, d'où l'idée de ramener toute la culture du Japon à Lyon. Ouais, exactement. Alors toutes, je sais pas, mais un petit bout. Ouais. Ouais. Du coup, alors on va revenir sur Jarring et on va pouvoir peut-être avoir une vraie présentation, parce que c'est vrai que c'est un bavard. Et je vais te proposer des thématiques. Donc du coup après tu peux choisir celle que tu veux ou même en aborder d'autres. Je vous les laisse découvrir et après on fera pareil avec notre ami Mix pour les disquaires. Est-il possible de produire un vinyle écologique? On en a parlé et c'est en train d'être possible. C'est pas encore ça mais pourquoi pas. Développer une carrière d'artiste, c'est un travail conséquent. Je pense que ça fait plus de maintenant 28 ans qu'on le fait, donc c'est quand même pas négligeable. C'est très compliqué. Ouais, vous avez fait des créations en 95. 95, c'est vraiment la création d'associations officielles où vous allez retrouver justement les statuts sur le JO, les balbutiements, c'est 93. C'est Eric Giraudon Rico qui a créé Jarring Effects, c'est pas moi. Je tiens à le dire à chaque fois. Je suis arrivé à Jarring en 2001. Avant je travaillais au PSDR. PSDR, c'est une salle de concert qui était à Villeurbanne, un petit club de 300-400 places. J'ai perdu beaucoup de points de vie dans cette structure parce que faire des 20 concerts par mois pendant toute l'année, avec un rythme endiablé, c'est génial. C'est vraiment une aventure assez incroyable. Et c'est là où j'ai rencontré Jarring justement, qui louait la salle pour faire des soirées, les premiers concerts d'iTunes, ce genre de choses. C'était assez fantastique. J'ai vu tellement de groupes que je me rappelle même plus. Enfin, c'était fantastique. C'était impressionnant. Première, voilà, c'était une super expérience. Super expérience dans laquelle aussi, quand vous avez des idées et des passions, et des petites notions de technologie, à l'époque, on a diffusé les concerts en direct sur Internet. Alors imaginez, à l'époque, pour les jeunes, quand on avait un modem qui faisait... qui mettait 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ou qui ne se connectait pas pour aller sur Internet, avec un débit hyper lent. Mais on diffusait les concerts en direct sur Internet. Les révolutions qui vont faire aussi en lien pour présenter Jarring. La révolution technologique, c'est qu'en 97, on a ce qu'on appelle des ordinateurs, des Pentium 2. Et d'un seul coup, on a des tours des ordinateurs avec des graveurs incorporés. On peut enregistrer le son directement. Donc on enregistrait les concerts directement sur ordinateur. Je gravais des CD, j'avais un appareil photo, 150 pixels, je faisais des photos. Je faisais une petite pochette, c'était live au PSNR et je donnais ça aux artistes. Et les artistes, c'était refait. On filmait en vidéo aussi, enfin des choses comme ça. Ce qui fait qu'en parallèle, Jarring Effects, en 97, avec cette révolution technologique, achète un Mac G3. Et parce que justement, de 95-97, c'était un... Jarring, c'est plus un... plein de jeunes futurs musiciens, techniciens, qui, avec un local qu'ils trouvaient justement rue d'Amoly, qui n'est pas très loin d'ici, et c'est un local de répétition. Au bout de 2 ans, les artistes ont envie de s'enregistrer, ont envie d'enregistrer la répétition pour dire bah, finalement ce qu'on fait, c'est quoi, etc. En 97, grâce à cette révolution, c'est vraiment important. Pour les jeunes, vous ne pouvez pas comprendre qu'à un moment donné, on est passé de rien à tout. Quand on parle d'enregistrement pour un studio, pour un label, on parlait des bandes master, ouais. De bandes magnétiques, des grosses bandes magnétiques qui coûtaient très cher, il fallait les régler, il fallait un studio particulier pour faire ça, ça coûtait très cher. Et d'un seul coup, on passe à un ordinateur qui est capable d'enregistrer, et en multipistes, et non pas 4 pistes, des fois sur des patines cassettes, on passe 6 pistes, mais là on peut passer à 24, 32, enfin, c'est hallucinant. Ouais, vous étiez sur la production phonographique, enfin, l'enregistrement phonographique. Aujourd'hui, vous êtes même passé sur la production audiovisuelle, donc c'est vrai qu'il y a un sacré gap qui est passé entre temps. C'est super important parce que grâce à ça, on a pu avoir cet ordinateur, les groupes ont pu s'enregistrer. En 98, on sort la première compilation Fantasquite, parce qu'on était à côté de la rue des Fantasques. La première compilation, le premier CD, donc en tant que label, le premier pressage, une compilation des artistes qui répétaient. En 99, on fait une soirée au Transborder avec des artistes inconnus, une structure inconnue, on remplit le Transborder. Et à chaque entrée, on donnait un CD promo de deuxième compilation, un CD promo à tous les gens qui venaient. Et moi, à l'époque, j'étais encore au PSDR et je suis allé à cette soirée en disant ouais, il y a du monde de partout, comme une association inconnue, avec des artistes inconnus, on remplit le Transborder. bon, c'était déficitaire au sens économique, mais en termes de communication, promotion, énorme. Donc à un moment donné, ton déficit, tu dis, non, c'est l'opération de communication. Donc ça devient positif, et ça a vraiment été le cas. En parallèle, sur l'hiver 99-2000, c'est l'enregistrement du premier album d'Altone, qui sort en avril 2000, et c'est un carton. C'est un carton. Quand je vois les chiffres aujourd'hui que nous on fait en physique, et je pleure, parce qu'à l'époque, sur un pareil, un groupe inconnu, un label inconnu, on parle en milliers de disques, on parle en dizaines de milliers de disques, et c'est hallucinant. L'année après, il y a Ezekiel qui sort. Donc là, respect à Rico aussi, Eric Giraudon, un super travail de prospection, disant comment travailler sur iTunes, comment travailler sur Ezekiel. Ezekiel, ça devient un carton aussi en 2001. Après, il y a toute une saga qui est en train de se développer, et ça permet de développer justement Jarring Effects. Ça, c'est vraiment une aventure assez incroyable. J'ai une thématique là sur l'événement au Zener. J'ai envie de faire allusion au Journeying Fest. Vous avez testé, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que tu as mis en place pour justement essayer d'aller sur des modèles un peu plus en l'inverse, et comment c'est passé? Comme on essaye en même temps co-responsable, on essaie de voir comment nous on fonctionne. À titre personnel aussi, j'ai énormément évolué, ayant un minibus 9 places, diesel, maintenant, je vais toujours en vélo, à droite et à gauche. J'ai même du mal des fois à prendre mon camion, donc j'essaie d'optimiser maintenant mes déplacements. En disant, au lieu d'en faire 3 dans la semaine, je mets tout dans la même journée. Voilà, c'est tout un processus qui se met en place. Et on se disait aussi comment produire, changer un peu la donne au sens de l'événementiel. On a vu sur le vinyle, c'est compliqué. Il n'y a pas assez d'options finalement pour faire un vinyle dit écologique. Dans l'événementiel, il y a quand même des choix à faire. Il y a des choix qu'on peut dire, on est dur avec soi-même, on est dur avec les autres. Et l'idée fondamentale, c'était comment faire, devenir autonome. Même si on va faire des événements qu'on a pu faire en CCO et la Rayonne, c'est dans un parc, on est dans une zone urbaine, il y a toujours une prise électrique. Mais dans l'idée, c'était comment on pourrait dire, on imagine, on teste des choses pour faire un concert sans rien. On le fera uniquement avec de l'énergie renouvelable, essentiellement dans notre cas photovoltaïque, et avec des panneaux solaires, j'ai aussi la capacité de pouvoir stocker cette énergie, et de l'éolien, ça on espère l'associer. Et on a fait justement, j'ai rencontré, en parlant, c'est forcément aussi quand vous échangez, c'est super important, aussi bien dans les réseaux, en tant qu'artiste, professionnel, etc., comme ce soir, c'est important d'échanger, de se présenter, et puis d'oser aussi, d'oser discuter avec l'autre. Et j'en parle justement, là on était aussi, il y a 2 ans, il y avait un petit virus qui traînait quand même. C'est bien foutu la merde. Il y a aussi les états généraux des musiques actuelles qui se mettaient en place. Et il y a un atelier qui était sur justement écologie, événementielle, responsable. Alors moi, je le cache, qu'on me parle encore de gobelets, de tri, etc., ça me gonfle, parce que normalement c'est de l'acquis. Mais c'est insuffisant aussi. Hein. C'est totalement de l'acquis. Il faut qu'on parle plutôt de choses qui vont encore plus loin. Et on parle de ça, et je dis, oui, moi je regarde quand même avoir une notion en disant comment on peut être autonome en énergie pour pouvoir faire de l'événementiel où on veut, quand on veut. Parce que si un jour, alors imaginez, il y a 2 ans, c'était pas le même discours, c'était pas la même notion qu'on peut avoir aujourd'hui, mais il y a 2 ans, c'était, j'ai envie de faire un concert en disant, il n'y a pas de prise, il n'y a rien, on va au fin fond de la campagne, d'une montagne, et on met une scène, on fait du son, et on ne fait pas un petit son avec une petite batterie, etc., on fait quelque chose, une vraie scène, on fait quelque chose de conséquent. En parlant de ça, il y a une personne de Kajibig qui me parle d'un ami à lui qui s'appelle Johan, qui travaille c'est une jeune structure, c'est un passionné, un électricien qui s'appelle Mobil Volts et qui a créé un revoir solaire. Et je dis, fais-moi son contact et je le contacte. Justement, là on était au mois d'août et il me dit, moi je commence à partir en vacances et je fais un crochet. Je viens de voir parce qu'en fait il alimentait. Une soirée qui était dans le sud, dans la Drôme, où il y avait de la vidéo, du son, des lumières. Il me dit, ma petite romance, j'ai tout alimenté. Parce qu'on était sur un champ, mis à disposition, mais il n'y avait rien, il n'y avait aucun panneau électrique, il n'y avait aucun. Il y avait le pur champ. Donc il fallait, au lieu d'amener un groupe électrogène qui pollue, qui est bruyant, il a mis sa remorque solaire. Donc ça a été l'occasion pour moi de le rencontrer. Je l'ai rencontré et c'était génial. Après, on a fait des concerts à la CCO La Rayonne en juin dernier, l'année dernière. Et là, c'est comment animer une scène pour les mamans du Congo, justement. C'était le 12 juin 2021. On a 600 personnes, on a une scène avec du retour, une façade. ça consomme 500 watts dans la journée, pour une sono. C'est un vieil, pour ceux qui ont connu des halogènes, un halogène de salon, 500 watts. C'est ridicule. Pourquoi? Parce que ceux qui faisaient ce son, c'est les cendres, ils optimisent la diffusion, sonorisation en basse consommation. Il faut du matériel particulier, il faut un savoir-faire. Johan avec sa remorque alimentait le tout, et on avait une solution. Et la nuit, quand la nuit tombait, les panneaux solaires, avec sa remorque solaire, ne fabriquaient plus d'énergie. Par contre, il avait des unités de stockage, des batteries, et on a continué la soirée. Hop, on ne pouvait pas aller au-delà de 23h. Donc ça, c'est génial. Et on a fait plusieurs événements de ce type. On voit que ça fonctionne. Et là, on a évolué dans le sens, il est important que l'on sache, et que tout le monde sache, qui consomme quoi. Comme ce soir. Qui est capable de me dire, est-ce que le lieu, Riva, vous êtes capable de dire que vous consommez pour le son, la lumière, le bas, etc., le temps, l'énergie, poste par poste. Iloun, pessimiste. C'est très difficile. Et encore, nous avons la capacité avec un compteur électrique. Moi, j'ai fait chez moi, vous pouvez le faire aussi chez vous. Vous éteignez tout, vous allez sur votre compteur électrique digital, et après, vous allumez chaque élément point par point. Donc, il y a une base, il y a peut-être... J'ai vu que le compteur en lui-même consomme 20 watts. Donc après, vous allumez chaque élément, vous voyez la différence. Là, vous comprenez, vous calculez la consommation électrique. Et c'est un peu fastidieux. Donc là, on a un projet qu'on appelle SoWatt, un peu dans les fictions, SoWatt. Mais justement, le petit jeu de mots, c'est comment analyser, calculer l'énergie électrique consommée en temps réel sur l'événementiel. On a fait un premier test sur le Journeying Fest, donc c'était en mois de septembre. Pendant 3 jours, 24 heures sur 24, on a enregistré la consommation électrique des lumières, du son et de la régie vidéo. On avait 9 points de calcul. Johan, sur son téléphone, on me montrait la consommation en temps réel de l'ensemble. Par exemple, on avait 6 robots, des lyres, des mythos, en groupe de 2 × 3. Ça consommait pas loin de 2 kW en temps réel. Le son, la sono, globalement, elle consommait 1 kg, 2 kg, 1 kg, 3 kg avec les basses, sachant que les basses consomment 60% de la consommation électrique. La régie vidéo, enfin voilà. Au bilan, on arrive à 150 kW d'énergie consommée sur les 3 jours. Le son, on n'est même pas 10% dans les 13 à 14 kg. La régie vidéo, on est à peu près sur le même niveau. Et au niveau de la lumière, ben là, ça fait mal. Là, voilà, on est à 65-70%. Et les robots dont je vous parlais, que 6 robots. Bon, c'est joli, c'est motorisé, etc. Eux-mêmes ont consommé 70%. On avait une artiste qui sortait de résidence et son ingé lumière disait « Moi, je veux ce matériel-là, celui-là, celui-là, et pas un autre. » Comme elle était jeune, elle n'avait pas la capacité de s'adapter par rapport à une scène plus petite. On lui disait que c'était trop grand, c'était démesuré en termes de puissance. En termes de location, c'était plus cher. En termes de consommation électrique, c'était plus cher, mais à ce point-là, on ne savait pas. Donc, on a pu analyser. Donc maintenant, ça nous permet d'avoir un retour en disant on a étudié tous les postes, on sait que les passes consomment plus, on a vu les variations de consommation électrique entre les différents groupes. Pour ceux qui étaient présents, il y a eu Taxi Kebab qui a joué le samedi soir, la consommation électrique a fait boum. Là, en fait, on a tout un système de courbes et de fréquences, c'est visuel et c'est flagrant. En parallèle, on a aussi le rapport dB mètre, minute par minute. Donc en fait, on avait un point de consommation toutes les minutes, par tous les postes. Là, on a un rapport dB, donc on passe aussi la puissance dB par rapport à la consommation électrique. Selon le style musical, selon la température, selon qui était derrière. Et on s'aperçoit que selon le matériel, forcément, ça joue, selon le style de musique, ça joue. Pour ceux qui étaient présents aussi, par exemple, comme Fleur et 8h55 faisaient du mix, à mixer différents sons de différentes qualités, ils ont consommé beaucoup plus d'électricité que Connie Marianne, qui jouait avec ses synthés, sa propre musique produite de manière plus propre, entre guillemets. Je ne veux pas dire que c'est mauvais, mais le fait de mixer différents masters, ou mixer différents sons, et au lieu d'avoir, par exemple, sur les basses, un bon boum, 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 ben en fait, un mix fait que le son, c'est un son un peu stressé. Donc, c'est différentes fréquences, et le son fait... C'est un peu comme ça, pour l'imaginer. Et ça consomme plus. Enfin, c'est plein de petits éléments qui nous permettent de dire, ben voilà, on analyse ce qu'on consomme, on voit le matériel utilisé, et le but du jeu, c'est de préconiser des solutions de remplacement en termes de matériel, en termes d'usage, en termes d'habitude. Parce que l'humain aussi, on s'est aperçu aussi que selon la personne qui est derrière la technique, ouais, il n'y a pas forcément la même consommation. Enfin, il y a plein d'éléments et le but du jeu, c'est d'arriver à consommer moins et consommer moins pour mettre en place plus d'énergie alternative. Et il y a 2 ans, comme je disais, avoir un discours en disant « Bon, on va consommer moins d'électricité », tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Et si on peut arriver à une certaine autonomie énergétique, d'arriver à produire sa propre énergie, et moi j'ai un fantasme absolu, c'est que vous tous devant le public, c'est de mettre plein de vélos par exemple devant une scène, et vous pédaler pour qu'on puisse justement voir la vidéo, entendre du son, etc. C'est une participation, je dirais, ludique et pédagogique, que le public participe à la production d'énergie nécessaire pour son propre plaisir. Parce que dans tous les bilans carbone sur l'événementiel, le pire élément, c'est vous, le public. C'est un facteur de... Ah, de déplacer les foules. Le déplacement des foules, si vous venez, il y a 3 personnes qui viennent en avion, alors là, ça fout en l'air tout le bilan carbone. Donc, je dirais que le but du jeu, vous êtes... Sauf si c'est du local. Et ça n'empêche pas. Ouais. Production locale, au sens propre. Prenez vos jambes et après participez à la production d'énergie pour justement alimenter l'événement auquel vous participez. Parce que souvent, et même pédaler pour vous payer une bière, par exemple. C'est con à dire, mais c'est un peu un principe. Participer, vous êtes une énergie incroyable. Quand on voit un public quand vous êtes sur scène et vous voyez un public qui réagit, c'est fantastique, c'est des images, une énergie qui est fondamentale. Et par contre, on voit toute cette énergie, elle est gaspillée d'une certaine manière. Donc comment participer? On met des planchers qui génèrent de l'énergie, enfin, ça existe mais c'est super cher. Et même les danseurs, hein, plus tu danses, plus tu génères de l'énergie. Ouais, mais je suis sûr que ça permet d'imprimer beaucoup d'énergie. C'est très cher. On a un bon vélo, bon, faut pédaler. Si vous pédalez pendant 1 heure, ça fait 150 fois. Pas grand chose. Hein. Ouais, supprime des coupons de téléchargement des vinyles et que tu demandes aux gens de pédaler, c'est un peu compliqué, mais ça se fait en voie, je sais pas. Des fois, il faut exiger un peu des gens, complètement. Et du coup, tu parlais de Kajibig tout à l'heure, et ce principe de mutualiser éventuellement le matériel, parce que c'est vrai que chaque artiste ou des groupes peuvent avoir une liste d'attente, dire voilà, moi je veux tel matériel, et est-ce qu'il n'y a pas une alternative, une possibilité de dire, comme vous avez fait, vous avez fait une analyse, donc vous avez des chiffres, et dire voilà, nous on est capable de faire ça, de vous proposer tel matériel justement pour optimiser toute la chaîne et éviter d'avoir des semis qui arrivent avec leur matériel et qui, voilà, un peu comme ils veulent. Ah, ça c'est effrayant quand tu sais que quand Indochine est passé chez nous, je crois qu'ils ont battu le record de semis, enfin, c'est un truc énorme, c'est démesuré. Ah d'accord, pendant les intermittents du spectacle, on a vécu pendant une semaine, sauf que c'était au détriment des autres événements. On a eu une pénurie de main-d'œuvre, parce qu'à un moment donné, tu as un élément central. Je suis pas pour tout ce qui est grandiloquent, enfin voilà, je suis pas fan des... Bon, j'ai eu 15 ans, j'ai eu 20 ans, j'ai été voir des festivals à 50 000 personnes, c'est vrai que maintenant ça m'intéresse pas du tout. Et en plus, j'ai le privilège d'avoir un pass pro pour aller voir les concerts, les festivals de manière privilégiée. Et quand je vois le public comme à Tours, qui sont dans, j'appelle ça des parcs, des fois c'est pas bon à voir, c'est vraiment, c'est triste. Quand vous voyez les gens au bout de 3 jours à Tours qui se chient dessus, mais au sens propre, j'ai vu des images assez incroyables. À un moment et à la fin, le dernier jour, ils brûlent les tentes parce qu'ils vont pas les ramener, elles sont... Les gens, il n'y a même plus un bout de terre, ils sont... C'est une aberration totale. Mais humainement, si on faisait des images des gens qui vivent dans le camping de Tours, on pourrait dire qu'il s'est passé une guerre. Non, les gens sont totalement défoncés. J'ai vu des scènes pas possibles où les gens se nettoient au Karcher dans les stations-service de Tours. Enfin, non mais voilà, c'est quand ça devient trop gros, trop grand, à un moment donné, on perd la mesure de nous-mêmes. C'est génial, il y a une vibration aussi quand vous avez des milliers de personnes. Ça c'est clair dans le public, et même sur scène, vous avez une vibration collective qui est fantastique. Et 50 000 ou 100 000 personnes, enfin, c'est monstrueux. J'avais fait aussi j'ai participé avec le syndicat des musiques culturelles pendant le Covid, justement, c'était des formations via Shift Project sur justement l'impact carbone dans la culture, ce genre de choses. Et par exemple, un événement de 100 000 personnes consomme... mais en fait, comment dire, c'est moins polluant de faire 10 événements de 10 000 personnes qu'un événement de 100 000 personnes. Donc ça sous-entend la proximité. Ça sous-entend aussi qu'on arrête de se faire la guerre en disant vous avez un artiste qui joue à tel endroit, il y a une exclusivité, vous n'avez pas le droit d'avoir... vous savez que... Je ne vais pas dire j'ai un nom en tête, mais que tel artiste va jouer au Sound au mois d'avril, et il n'a pas le droit de jouer dans 50 km autour de Lyon, pas avant la date d'avril. Bah, non, si on veut faire des circuits courts, à un moment donné, ces notions d'exclusivité doivent disparaître. On parle aussi des fois de concerts en vélo, donc on avait étudié, pour le Jarring Fest, on avait étudié avec un groupe pour faire ça. Donc il fallait monter une tournée tous les 30 km. Il y a plein de structures qui officiellement disent oui, il faut l'écologie, tout ça, mais quand on dit bah, on a un artiste, hein, il faudrait qu'on trouve des dates tous les 30 km. Bah non, ça m'intéresse pas, c'est pas le moment, ce genre de choses. Donc il faut changer la donne aussi, c'est pas évident. Et en changeant la donne, on peut, justement, il y a tellement d'artistes, il y a tellement d'exclusivité, il y a tellement de contraintes. On vit aussi sur les statistiques en disant, les vieux en ce moment ont besoin, oui, il faut qu'on remplisse les salles, il faut qu'on fasse de l'argent, il faut qu'on fasse du business. Et ton artiste, il rapporte rien. Parce qu'on est aussi booker, tourneur. On se prend ça, là, vraiment, en ce moment, on se prend dans la gueule. Vous êtes ton artiste, il rapporte rien, il ramène rien, il ne va pas remplir ma salle, donc on passe à autre chose. Et après, l'artiste qui n'est pas forcément mauvais, mais des fois, je me suis aperçu quand même, en voyant récemment des artistes très connus sur Internet, mais qui, sur scène, bah, on recule, je les trouvais mauvais, oui, mauvais, gentils, mais mauvais. Et par contre, je voyais que le public, des petits jeunes à côté de moi, ils appréciaient cette, pour moi, médiocrité. Donc ça donne des nouvelles valeurs. Là, ça m'inquiète énormément. Si on va sur la statistique, le chiffre, etc., une salle programme quelque chose qui fonctionne, même si c'est moyen. Le travail de Jarring Effects depuis maintenant 28 ans, c'est justement on fait ce que l'on aime, avec des ratios, des critères, des contraintes. On n'est pas dans la mouvance, on n'est pas dans les humeurs, dans les tendances. Je pense qu'on paye. Mais des fois, on a envie d'être un peu droit dans le spot. De respecter un peu des normes et des valeurs. Et ces valeurs, c'est avec Céline aussi qui m'en associé, ingénieur du son, ça fait maintenant presque 20 ans qu'on travaille ensemble. On défend ces valeurs, on est là pour les artistes, on n'est pas là pour faire vivre nos structures et notre équipe, etc. Et comme on a justement les deux anciens versus plein de petits jeunes, on sent qu'on n'a pas la même chose. On est capable, avec Céline, de se sacrifier pour les artistes que l'on défend. Ça se ressent au niveau de nos salaires, au niveau de plein de choses, de notre emploi du temps. S'investit régulièrement, vers les 35 heures, ça n'existe pas. Donc c'est des choses qu'on défend, ça a un coût, et avec l'évolution de la société, de la numérisation actuelle, avec ces algorithmes qui nous gouvernent, ça m'inquiète énormément. J'ai l'impression qu'on va dans le mur. Je suis très content qu'on n'est pas forcément nombreux ce soir, mais je trouve qu'on a quelque chose d'intime et de riche, de privilégié, de qualité, la qualité d'écoute que vous me prêtez, ça fait très plaisir. Et, c'est ça qui nous fait marcher. D'ailleurs, est-ce que dans le public, vous avez une question à poser pour M. Moreau, sur le label, Pas que moi, hein. On va s'occuper de notre cher ami. Ça m'intéressait de dire donc un DJ qu'on somme plus, finalement, quand il mixe, tu disais. Et c'est genre beaucoup plus, ou c'est passé dedans. Ça se voit. Ok. Donc, on a justement le produit. Mais c'est vrai que le premier produit en Marianne et de Fleur et Gutter, on voit largement. Ok, ouais, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. C'est pour ça qu'on a besoin de savoir pour comprendre, en tirer des leçons et se dire, mais finalement, ah ouais, ça c'est incroyable. Ouais, ouais, c'est. Et pour techniquement, juste pour mettre en place le système, on doit, c'est des câbles qu'on met autour des câbles électriques, reliés à une centrale, et en fait on doit se brancher avant l'arrivée d'énergie, d'électricité, on doit se brancher avant, et après on redispatche l'énergie, enfin le courant, dans tous les sons, liens, etc. Donc c'est un gros travail de redispatcher justement correctement l'électricité, et là on s'aperçoit qu'il y a vraiment un sacré. Si on parle de révolution, comme on a l'énergie, c'est dans les mentalités. Il y a des gens qui n'ont pas envie, qu'on les embête avec ça. Il faut tout débrancher, rebrancher, etc. Et surtout savoir que telle lumière à tel plateau, bah finalement c'est tel. Parce que des fois on nous a dit, ouais, c'est bon, ça alimente le grill. Oui, mais enfin, quand même dans le grill, il y a 30 LED. Par exemple, la moitié des LED, elles sont alimentées sur quel câble? Je sais pas. Ça demande plus de précision justement pour jouer sur ces facteurs et être beaucoup plus pertinent. C'est un travail, c'est passionnant. Et le but du jeu aussi, c'est aussi d'avoir. C'est du temps, ouais. Non, c'est du temps, ouais. Et de réflexion et de changement. C'est surtout une réflexion, parce que je crois que moi perso, je me lasserai jamais poser. En tout cas, sur le délire, bah oui, déjà, mais de comment est produite la musique, si c'est un DJ, si c'est directement des synthés, si c'est pas acoustique. Donc j'imagine un groupe acoustique, juste micro, guitare, il a quasiment rien consommé comparé. Ouais, ok, ok. Bah, ouais. C'est pour ça que quand je disais de mettre par exemple des vélos devant la scène pour que les gens participent, c'est aussi dans l'idée, c'est qu'on met des panneaux et on va vous indiquer la consommation en temps réel de tout ce qui se passe. Et après on va vous indiquer ce qui reste dans les batteries. Et donc vous aurez un ratio avec il nous reste 53 minutes, 52 minutes, 51 minutes. Ça c'est vraiment très bon. Au bout d'un moment on va dire, vous voulez un son et lumière ou vous voulez un concert avec du son. Ping, on regagne une heure. Ainsi de suite. C'est aussi comme ça, mais c'est ce côté pédagogique et ludique, c'est vous faire participer à la prise de conscience, qui consomme quoi et comment ça fonctionne, et qu'un son très bien réglé va consommer moins qu'un son tout pourri. Et quand vous avez un son aussi très compressé, un son très compressé, c'est souvent par rapport à une salle de concert, on va compresser le son pour éviter qu'il y ait des larcènes ou des sons qui vont abîmer la sono, les haut-parleurs, ce genre de choses. Donc c'est une sorte de protection. Par contre, c'est pas très agréable. Moi, j'ai justement au PSDR l'occasion de faire un concert sans aucune compression sur la sono. D'un seul coup, vous redécouvrez c'est quoi le son. Imaginez là, il y a une grosse sono. D'un seul coup, vous allez sentir le son qui vient vers vous. On met des fly sur la table. Vous allez voir les flags danser sur le comptoir aussi. Vous allez sentir le son qui passe, qui va se terminer de manière un peu naturelle derrière vous. C'est ça un son sans compression. Aujourd'hui, c'est rarement le cas. Et le son hyper compressé consomme plus aussi. Donc c'est de moins bonne qualité pour vous, ça vous fait mal, et ça n'empêche pas d'avoir une pression acoustique qui vous fait mal aux oreilles. Et vous n'en rendez pas compte parce que vous n'avez pas le plaisir, la sensation que ce soit fort, alors qu'en fait c'est en pression acoustique, c'est très fort. Et c'est des paradoxes. Donc c'est ça, c'est un ensemble de choses et on a besoin d'avoir cette analyse, cette pertinence pour un peu comprendre et en déduire des choses. Et c'est pas que ça. Hein. Après il faut associer tout un écosystème, ce genre de choses. Mais ça fait partie, c'est quelques réponses par rapport à une globalité de questions. Ok. Et ben merci pour toutes ces réflexions et toutes ces analyses. Au moins, on sait en tout cas où on en est.